והוא רחום, קומוס לברכות דוקרת שמה דוארבית. לברכות דוקרת שמה דוארבית, שניים לפניה, שניים לאחריה. דו ברכות אבון קרת שמה, את דו ברכות הפרי קרת שמה. וסימנך לסימן קודון לחכמים, בשקו ארבית יקת. למתן שתכווה. deux les fanéa et un les haréa le siman que disent les hachamim sheva bayom hilaticha sheva sept brachot bayom chaque jour hilaticha je fais ta louange à toi Kadosh Baruch Hu parce que Kriyat Shema en dehors du fait que c'est notre profession de foi où il faut dire, il faut déclarer, clamer que Akadosh Baruch Hu est Ehad ou Shmo Ehad. Il faut également dire que nous l'aimons, nous aimons Akadosh Baruch Hu. Comment on aime Akadosh Baruch Hu? Comment dire, mais Ahavtal, les Hachamim disent, entre le fait que l'on dise, mais Ahavtal, l'air et Acham. Et pour Hachem, on dit « Ve'avta et Hachem ».« Ve'avta et Hachem », c'est-à-dire le « et » introduit comme si c'était la personne elle-même qui se donne pour l'amour de HaKadosh Baruch Hu. Tandis que pour l'Ere'acha, c'est tout simplement ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. C'est pour cela que Hillel, quand il est venu, le goy lui a dit Gairini al regel ahad. Il lui a dit Be'aramit, en araméen, ma desane alach la ta'bid le havrach. Ce que tu n'aimes pas pour toi, ne le fais pas à l'autre. Mais il n'a pas dit Be'avtal le re'acha kamocha. Pourquoi? Parce que il est impossible d'aimer la personne comme soi-même. Si tu as 2 millions, tu vas aimer ton prochain en lui donnant la moitié et toi garder la moitié. Est-ce que c'est possible, ça? Alors il a pris la négation de l'amour, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on aimerait pour soi-même. Il faut le faire pour... Non, il dit ce que tu n'aimes pas faire pour toi-même, ne le fais pas d'autre. Tandis que Hachem, Ahavta et Hachem, il faut être prêt à aimer Akadosh Baruch Hu comme si c'était toi-même. Alors, et mitbatel. Et ça, c'est une louange extraordinaire qu'on élève à Akadosh Baruch Hu. Sheva bayom milatir. Il y a raison que nous puissions je connais quelqu'un qui avait un Rosh Yeshiva. Quand il arrivait à Kiryat Shema, avant Kiryat Shema, il faisait des efforts. Il devenait rouge tellement il faisait un effort pour comprendre ce que ça veut dire. Il faut qu'on arrive à cela. בעזרת השם, ברוך הוא עומד לעולם, אמן.